Ok. Ça n'a pas de bon sens. C'est dégueulasse. C'est bien nice. Si on avait une caméra, tu pourrais... Si on avait une caméra. Si on avait une caméra. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue à Roche-Papier-Dragon, yeah. Le podcast de Donjons et Dragons où je force mes amis comédiens et Alex Poirier à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Tu caresses les chiens. Okay. Alors, nous jouons aujourd'hui Alex Poirier, le Warlock. Ouais, ben, Rex Byrne. Rex Byrne, Rex Byrne ou Arby's, là, c'est en train de... Le gars weird de la gang. Ouais, le weirdo. À sa droite, Simon Allard. Hey, salut tout le monde, alias Jack Ketchup. Exact, le Alflin Claire. Oui. Le prêtre. Dieu de la chance. Dieu de la chance. Suivi de Lily Rachel Morin. Hello. R-E-D Red. Comme nous l'a appelé Rebecca Eldorado, la femme lézard druide. Yes, sir. Je suis Mathieu Gassien, votre maître du donjon, suivi de Sandrine Lemieux. Bonjour. Je suis Patty Carey, la femme hibou à la voix charmante. Ouais. Non, mais quand elle parle comme ça, elle a vraiment une belle voix, mais habituez-vous pas. Suivi de Jérémy Carmichael. Yes, salut. Léo Warren, fils de Kaerik, le paladin blond. Là, ouais, il est blond, c'est un elfe. C'est un marin. Il porte une casquette. J'aimerais ça dire. Il est vraiment beau, Lily, ton déguisement de femme lézard aujourd'hui. C'est de valeur que les gens à la maison ne puissent pas le voir. Ouais. Mais si on avait des caméras. Ouais. Si seulement. On vous écoute à la maison d'ailleurs quand vous nous faites des rétroactions. C'est ça le mot en français? En français, je peux, ouais. Des suggestions, commentaires et ouais, suggestions. Commentaires et suggestions. On nous a dit que ça manquait un peu de recap, toute cette affaire-là. On est en train de se sur rétroaction, mais il y a recap. Je vais faire un petit recap, puis après ça, on vous l'a pas nécessairement dit, peut-être que vous l'avez compris, les personnages sont rendus level 5 depuis la dernière game. Après ça, on va faire un mini tour de table. Les gens vont dire un peu qu'est-ce qu'ils ont de plus depuis qu'ils sont level 5. Puis après ça, on va entrer direct dans l'action parce qu'il y a un T-Rex géant derrière vous. Oui. Ouais. Qui se téléporte. Ah, qui se téléporte puis qui crache du feu noir. C'est un peu choquant pour prendre un café, tu sais. Pas un café. Ben, t'as pas le temps de prendre un café quand il y a un T-Rex qui te tue en arrière. Pas un café. Ben, j'adore prendre un café le matin. Y'a-tu le matin? Vous êtes sous terre, y'a pas de matin. Parfait, donc, les groupes sont rendus. Le groupe est rendu sur terre, sous terre, calé. Parce que vous fallait que vous passiez les monts du Gal, puis vous vouliez pas faire le tour par les marais, fait que vous êtes rentré en dessous du monde dans des mines style Moria, mais c'est pas de la Moria parce que c'est copyrighté. Fait que. Tu l'as dit, fait que. C'est ça. On va mettre des pew-pew par-dessus. On veut juste vous dire que c'est le dernier épisode. C'est ça. Qu'on va avoir un cease and desist. Un cease and desist? Non, c'est ça. Pas c'est un cease and desist. Rétroaction? Ok, parfait. Fait que, voilà. Ensuite, ils ont rencontré une colonie de kobolds. Ils ont vu que les kobolds mangeaient des myconides qui sont des hommes champignons. Pignon. Donc, Monsieur Pignon, qui était un petit champignon, un petit humanoïde champignon que Sandrine portait sur son dos. Il était bien blood. Ouais. Ils ont été dans le fond de ça, ils ont tué une nécromancienne, ils ont découvert de où venait la roche noire qui explose. En partant, il y a un des diablotins dans cette grotte-là qui leur a fait des fuck you, qui a fait effondrer la grotte, ce qui les a forcés à aller plus creux dans la terre encore. Ils ont rencontré les autres amis de Monsieur Pignon. Il s'est fait déchiqueter, pitché dans une caverne pleine de champignons bioluminescents. Ensuite de ça, ils ont rencontré un culte dévoué à un flageoleur mental mort. Il buvait son suintement macabre. pour d'ailleurs, on y a goûté, hein? D'ailleurs, vous l'avez goûté. Ouais. Un bon buzz.
Ils vous ont dit que pour aller à la surface, vous trouverez le chemin si vous allez chercher de la cire qui était dans une grotte pleine de dinosaures. Ouais. Là, vous êtes dans une grotte pleine de dinosaures, puis vous êtes contre les ptérodactyles. Ouais. Faut que vous alliez brûler le nid des ptérodactyles, mais derrière vous est apparu le T-Rex. Mais oui, parce que en fait, c'est qu'il y a une il y a un clan de Dom Lémur. Dom Lémur. Ouais. Dont son ambassadeur, ouais. Peplou. Peplou, c'est vrai. Oui. Peplou nous a dit d'aller brûler le nid de ptérodactyle, ouais. Et il nous aiderait à aller aux abeilles. Ouais. En fait, il reste straight up, vous cherchez de la cire. Bon. Il s'est tellement passé d'affaires, mais qui a pensé? C'est toi qui as pensé à tout ça? Non, j'ai tout volé ça là, sur Internet. Cool. Mais c'est bien que tu fasses un recap parce que Sandrine ne semble pas se souvenir. Non, mais je me souviens pas qu'on avait tué la nécromancienne. Je pensais qu'elle était juste... Parce que c'est moi qui l'ai tué, ouais. Mais tu sais, c'est correct. Là. Parce que c'est Rex qui tue tous les méchants dans ce film. Je pensais qu'on y avait jasé. Mais t'étais pas là encore, t'étais non, pas arrivé. Non, j'étais là. Mais oui, j'étais là. J'ai jasé. Elle est arrivée au casino. J'ai dit. Ah, c'est ça, oui. Ça fait genre 8 épisodes que j'ai avec vous autres. Non, mais j'ai jasé, puis là, elle était dans un bad trip. Ah ouais, je suis l'envoyé de Dendar, puis je suis comme non, puis je l'ai tué, puis ça finit de même. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement drillait, comme ça que ça s'est passé. Il drillait un dragon, là. Oui. Il drillait un serpent de mer. Un serpent de mer, pardon. Puis c'est de là que venait la roche. OK, fait que parfait. On va faire un petit tour de table en commençant par Jérémy, juste pour dire en quelques mots qu'est-ce qui se passe de plus dans ton personnage. En quelques mots, ben moi j'ai une attaque supplémentaire. Ouais, fait que tu attaques deux fois par round. Exactement, violent le paladin. C'est... Mais juste au corps à corps. Juste au corps à corps. Parce que tu as une seule arme. Mais t'as pas l'air de ça pareil, j'ai un gars violent comme ça. Non, mais au corps à corps par exemple. En tout cas, fait que j'ai un autre perle aussi, un autre pouvoir magique. C'est Find Steed. Alors, un jour, quand on va être sorti de la grotte, je vais pouvoir appeler une monture, pas des lunettes, mais vraiment un cheval, un griffon, un destrier. Un griffon, pas tout de suite. Est-ce que tu vas jouer genre le éponosaure avec ça dans un ton de carina? Ouais. Mais c'est le destrier que tu vas commander va être céleste. C'est pas juste un cheval normal, c'est un cheval. Il shine bright like a licorne. Comme un cheval. C'est pas obligé d'être un cheval, là. Ça peut être un cheval à Gandalf. Une autre affaire, là. Une licorne. On s'en jase. Un Pégase? Je viens de le dire! Ça peut pas! Les licornes, c'est fucking fort, man! Je l'ai dit! La première fois, j'ai dit c'est comme Pégase! Okay. C'est ça, j'ai dit! Puis toi, Sandrine, là! Sandrine, ta voix pop, tu t'entends! Excuse nous, Patty Carey! Toi, Patty Carey! Mais moi, premièrement, j'ai un truc que j'ai jamais utilisé dans la partie, donc personne n'est au courant, mais j'ai le Bardic Inspiration, c'est-à-dire que je peux donner un dé supplémentaire à mes collègues pour les aider dans leurs tâches. Et là, maintenant, puisque j'ai augmenter le niveau, j'ai un D8 plutôt qu'un D6 que j'avais avant. Fait que vous avez comme plus de chances de faire des affaires meilleures. L'autre chose aussi que j'ai deux nouveaux sorts, moi aussi. Il y en a un qui me permet de parler avec les plantes, chose que j'ai faite au dernier épisode avec succès, ma foi. Je pense qu'il était à la base de quelques confusions d'ailleurs, que tu étais une dalle, puis les gens étaient comme est-ce que tu la druide, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est parce que je l'ai utilisé tellement de manière incroyable que tout le monde a capoté. Oui, tout le monde se rappelle de la corde de Liane qui a pas fait traverser le T-Rex. Puis Puis mon autre, c'est Message, qui est un cantrip que j'allais chercher. Puis dans le fond, c'est que je peux envoyer des petits messages c'est quand même vraiment pratique. D'amour aux gens autour de moi. Puis la troisième chose, en fait, c'est que j'ai mué. Fait que maintenant, je parle comme ça. Non. T'as commencé ta voix, tu l'as fini. Toi, Rebecca Eldorado, qu'est-ce que t'as de nouveau? À part avoir atteint la puberté au niveau 5, je peux maintenant faire un call lightning. Donc, tu peux appeler la foudre. J'appelle la foudre telle Zeus. Et c'est ça que tu as fait la dernière game aussi. Ouais. Parce qu'une fois que tu lances le sort, tu peux faire d'autres choses, mais continuer à zapper des gens. Ouais. Le sort continue sur plusieurs tours, ce qui est très nice. J'ai aussi Daylight. C'est des rayons de lumière. Bon, c'est ça. C'est un petit peu. Sinon, conjure animal, qui n'est pas de parler à des animaux empaillés. Détrompez-vous à la maison. Je parle vraiment à des esprits. D'animaux, puis là je peux les faire apparaître. Je préfère apparaître, mettons là, deux aigles géants. Ouais. Hein? How about that? Comme Gandalf? Ouais, mais juste deux. Ok. Oh ouais, non, c'est pas une joke, là. Elle peut faire apparaître 8 sangliers. Non, mais pour vrai, Lily a quand la barbe? La barbe? Ouais. De Gandalf? Ouais. Merci. Alors, sinon, Jack Ketchup. Je peux parler
toutes les langues inimaginables de la planète. Et là, les comprendre. Et les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parle pas que je t'ouvre. Ah ben là, il faudrait que je spille ma carte pis ça me tente pas. Je peux parler avec les morts aussi, mais attention, si ça fait moins de 10 jours qu'il est décédé cette personne-là, exemple, on tombe sur un cadavre, je peux y poser 3 questions. Ah. Ouais. C'est comme quand quelqu'un dort. Quand quelqu'un... Je sais pas. Quand quelqu'un dort. C'est quand quelqu'un dort, reste pareil, tu peux y poser 3 questions pis il répond la vérité. Fuck, j'ai jamais essayé ça. Toi, Alex, ok. T'as-tu fini, Simon? Ouais. Ouais, 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 vas-y. Puis, t'as sanctuaire, hein, aussi? Oui, c'est le préféré. Alex, j'ai coupé au montage toutes les bouts, tu sais que Simon essaye de lancer sanctuaire. Ben, moi, j'ai plus de points de vie. Super! Wouh! Non, mais j'ai plus de laser, fait qu'au lieu d'avoir un piou, j'ai 2 piou. Oui. Puis mes pliots, ils peuvent pousser les gens. Ouais. Puis j'ai d'autres sorts bizarres que vous allez découvrir. C'est comme Iron Man. Conjurer des démons. Okay. Je reste mystérieux un peu. Alors, on se rappelle tout le monde, vous étiez en train de monter la montagne. Je mets des guillemets autour de la montagne parce que c'était juste un énorme stalagmite en plein milieu de la plaine. Donc vous étiez en train de gravir cette montagne-là pour aller, vous étiez à genre 100 mètres. Du nid des ptérodactyles, de la colonie de ptérodactyles, quand vous êtes atterri parce que Lily vous avait pris sur ses ailes puis elle vous avait amené jusque là et elle s'était transformée en T-Rex, dont d'ailleurs Lily t'as encore les stats derrière derrière ta fiche ici. Elle s'était transformée en T-Rex, elle avait rugi puis derrière vous était apparu le gros T-Rex noir. Alors immédiatement, le gros T-Rex s'est mis à rugir bien plus fort que tout le monde parce que c'était un mâle et qu'il avait besoin de prouver quelque chose. et à ça, immédiatement, avant que je vous fasse rouler votre initiative pour faire ce que vous voulez faire, avant qu'on fasse ça, ça a attiré l'attention des ptérodactyles. Puis vous voyez que vraiment, là, la masse volante de ptérodactyles s'en vient direct vers vous autres et vers le T-Rex. Vous pensiez peut-être à faire une diversion ou whatever, mais clairement que les ptérodactyles sont tannés de se faire intimider par des tyrannosaures et que là, ils vont mettre leurs pieds à terre puis s'envoler. Fait que, voilà! Roulez l'initiative, s'il vous plaît! Ah, j'ai changé le tien! T'avais 13! Trop tard! Alors Lily, 12 pour Red. 7. Juste 7? Ouais. Je suis désolé. Moi j'ai 8. 8. 11. 11. Pour Patty et finalement 11 aussi 11 aussi, super. Fait que vous allez décider entre vous deux qui c'est qui passe en premier et moi je te conseillerais d'y aller avant. Puis, mais je vois le blindness de ben tu peux blindness ou tu peux genre jouer une tune en background pour donner un D8 à quelqu'un. Ah, très bon. Oui, mais je veux aussi faire blindness, oui, deafness, puis ben, après ça... Chante un bardic inspiration. J'aimerais juste rappeler à tout le monde ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez essayé de vous battre contre... Ça a relativement bien été. Oui, il s'est sauvé. On a failli mourir. C'est vrai. Ben, ça a relativement bien été. On a pas failli mourir. Jusqu'à temps que chacune de ses attaques décide de voler. Chacune de ses attaques enlève une fois et demie la vie... Genre du personnage avec le plus de vie dans votre groupe. Mais qu'est-ce qu'on est supposé faire d'abord? Mais c'est Lily qui tank. Je sais pas, c'est Donjon et Dragon, faut faire ça. Faudrait acheter du temps pour avoir crissé le feu là-dedans. Je vais faire une diversion avec mon conjure animal. Non mais, gagner du temps. Non mais attends, qui commence? C'est toi ou moi? C'est, non, c'est... C'est Red. C'est Red. Ben... Je vais faire une diversion en conjurant les animaux. Ok, qu'est-ce que tu conjures? Ben, pour qu'il y en ait le plus possible, je pense que je vais aller avec les sangliers. 8 sangliers? Ouais, contre comme des ptérodactyles. Comme ça, ben tu sais, ça les plus. Comment tu sais, qu'est-ce qui. On a préparé avant la game. Ok. C'est tout dans mon cerveau. Ok. Ouais. Donc, c'est ça que je fais. Très bien, c'est ça ton tour. Ben attends, t'étais pas transformé en T-Rex, toi? Qu'est-ce que ça fait?
Mais ça fait que tu peux pas lancer des sorts. Ben, je suis plus transformé en T-Rex, qu'est-ce que tu penses? Ok. Clairement. Alright. Ensuite, là, c'est soit Patty ou. Ben, écoute, moi, c'est ça que je vais faire. Fait que je vais lancer Blindness. Je vais le rendre aveugle. Puis en même temps, je vais me mettre à jouer de la flûte de pan, tel le hibou que je suis. Puis je vais donner un D8 à Alex. À Rex. Mon. Ton save DC. 14? 15. Chris. Non? Non, 14. 14. Ben, pour la deuxième fois cette semaine, t'as rendu le Tyrannosaure Rex aveugle! Yes! Ok, c'est bon ça. Ça okay. veut pas dire qu'il peut pas vous manger. Ouais, mais il nous voit pas. Moi, j'ai. C'est à mon tour. Là, je fais un solo. Ouais, tu fais un solo, tu donnes un D8 à qui? À Alex. Puis, Alex, qu'est-ce que tu nous fais comme solo? Ouais, t'as un peu. Ben, moi, j'ai pensé reprendre un classique rock en fait de bas. Parfait, fait que une tune de Jet Rattle. Genre. Ouais, cool. Fait que je vais l'insérer dans le. Ou The Final Countdown, c'est très bon ça. Ah, ah mais faut pas tout blower tout de suite. Hein. Okay. Elle a d'autres sorts, ok? Ah, ok, super. Ouais. Rex. Oui, moi j'ai une question, grand maître du donjon. Est-ce que le T-Rex est vraiment focus sur le groupe en ce moment? Ou est-ce qu'il est. Est-ce qu'il s'en crisse des... Il est parti avec les sangliers. Donc, c'est moi qui compte l'histoire, Lily. Ok. Depuis quand? T'es toléré ici. en fait, quand tu le regardes, le T-Rex, tu vois que ses yeux passent de Toué, principalement, et... Patty. Patty Carey, à de vous autres au ptérodactyle, de vous autres au ptérodactyle, puis il semble plus se fixer sur le ptérodactyle. Puis après ça, il y a juste comme des genres de flammes noires qui pongent ses yeux, puis il est comme shit, je vois rien. Okay. Parce que Patrick Harry vient juste de lui lancer le sort de cécité. Donc voilà. Donc avant de devenir aveugle, il avait l'air de faire un choix entre vous autres et les ptérodactyles. Okay. Puis ça avait l'air de. Y a-tu un ptérodactyle qui a l'air plus centré dans le. Fais-moi un jet de perception. C'est drôle que tu me demandes ça parce que, évidemment, qu'il y en a un. J'ai 16 plus perception, fait que j'ai 17. Parfait. Fait que là, dans ta tête, il y a genre le vol des Valkyries là, qui arrive. Là, puis il y a un. Il y a un gros triangle de ptérodactyles qui arrive, puis en plein milieu, à son au Nakina, qui est celui au bout du. J'ai dit un mot fancy, puis je suis plus capable de parler. Donc, le ptérodactyle en avant, il est un peu plus gros que les autres, il y a un peu plus de cicatrices, puis avec ton jet de perception, t'es capable de voir que, genre, des bouts d'ailes qui manquent. Il y a même, genre, un vieux javelot encore dans son ventre qui pendouille. C'est le badass motherfucker. C'est le badass motherfucker. Il a l'air plus buff que les autres aussi. Ouais, clairement, parfait. C'est le alpha, si les ptérodactyles avaient des alphas. Donc, mon cher Mathieu, je vais lancer l'enchantement Enemies Abound. Qui est en fait un enchantement qui fait que cet ennemi-là était capable de distinguer les amis de les ennemis de ses amis. Shit, le pterodactyle... Oui. Ok, ouais. Puis, il est en train de fucker sa game au complet. C'est beaucoup de travail pour le DM, ça. Tu l'as pas, cet aspect-là. Pardon? T'arrives d'où, toi, avec ça? Wow, je suis impressionné. Des années d'expérience. C'est un jet d'intelligence. Ouais. Ça. Fait que c'est un ptérodactyle, j'ai peut-être tué. C'est sûr qu'il manque. Ok. Bon. Okay. Puis essentiellement, c'est qu'à chaque fois, qu'il attaque, puis il choisit sa target randomly. Ok. Puis quand il y a du dommage, il faut qu'il refasse un saving throw. Quand il reçoit du dommage, il faut qu'il fasse un saving throw. Très bien. Ouais. C'est pour ça. Gigi. c'est à Le Warren. Léonarine. Alors, savez-vous comment qu'on appelle un elfe qui se sert lui-même? Non. Un self-service. Oh my god! Bien, vu que j'ai beaucoup de charisme, ben ça buff tout le monde. Okay. Mon personnage, là, je parle, qui a du charisme. Puis ben moi, je vais faire Vow of Amity sur le tyrannosaure que je vais appeler Babou. Ok. Ah, Babou, les comme c'est pas ça mon nom. Vow of Amity, Babou, puis je vais faire Smite en plus. Ok, fait que tu l'attaques. Okay. Tout le kit, là. Fait que t'as deux attaques.
Ouais. Chacune de tes attaques a avantage parce que t'as juré. J'ai juré contre les tyrannosaures. J'ai juré l'ennité contre lui. Fait que tu lances 2 des 20 deux fois. Ouais, t'as un 19 déjà. 16. Parfait. Fait qu'il y a une attaque qui touche. Puis j'en donne une autre fois. You. 16. Tes deux attaques touchent. Ouais. C'est quoi? Léo Warren a touché un ennemi avec son épée. Ça arrive jamais. Il était temps. Faut tout le temps que tu fasses des blagues avant de jouer. Fait que t'as deux fois 2d6. Deux fois 2d6. Ouais. Attends, j'en prends un autre. Plusieurs d6. Ouais. Il y a plein de d6. Il y en a plein. Merci, j'aime ça les petites couleurs. Parfait. 5. 7 plus, okay, ça fait 12. 12 plus 2 fois ton bonus de force qui est de 3. De 3, 12, 15. 15, 18. 18. Puis tu smitais aussi. Ouais, je smite. Tu brûles un spell niveau 1 ou 2. C'est quoi la différence? 1 d8 ou 2 d8. Oh, on va brûler un spell de niveau 2, là. C'est un tyrannosaure, là. Ok, fait que roule-moi 2 d8, stop. 2 d8, c'est celui-là. Les losanges. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, celui avec 8 faces, là. Voilà. Oui. 7. Puis. 6, 6, 13. Non, pas moi de ça, 13 de plus. Fait que j'ai dû faire genre. 31. Ah, bon. Tu sais quelque chose. Crime. Merci, Mathieu. Wow. Bon. Fait que là, la prochaine fois, on passera pas à travers tout. Non, ça. Non. parce que là, j'ai certaines personnes dans la maison qui jouent les paladins tout le temps, Deegan. Puis il faut vraiment là, écoute, je suis noble. J'ai des palis qui nous écoutent, là, faudrait vraiment up cette qualité là, ouais. Hop cette qualité. Mais tu veux dire on est des comédiens. On est des comédiens. Ouais, moi. parfait. Très bien, le Warren, t'as fait ce que ta job était. Yeah. J'ai fait ça, yeah. C'est ensuite au ptérodactyle, donc la plupart des ptérodactyles fondent sur le T-Rex, juste oublié. Ok, il pogne pas en général, mais il fait comme puis il essaie de snapper pour les pogner. Mais il y a aussi le ptérodactyle badass qui sait pas qu'est-ce qui se passe. S'il roule 1, il s'attaque lui-même parce qu'il est comme je tue un ennemi. S'il roule de 2 à 5, il vous attaque vous autres. S'il roule de 5 à 10, il attaque les autres ptérodactyles, puis sinon c'est le T-Rex. Il vous attaque vous autres! Oh. Attends, je vais utiliser. Excuse. T'as-tu quelque chose en réaction, toi? Oui. Je peux rediriger l'attaque? Oui! C'est vrai que tu peux. Je le fais là! Wow! Je le fais là! Tu utilises ton Channel Divinity. Channel Divinity. Le pouvoir que t'as jamais utilisé pour rediriger l'attaque. Parfait, c'est le temps. Ok? Fait qu'on va rouler la même affaire, alright? Ouais. Fait qu'il y a plus de chances qu'il fasse le T-Rex ou ses amis. Il fasse le T-Rex! Oh. Et il pogne! Ah ben, tabarouette. C'est de valeur. Mmh. Ben non, c'est pas de valeur. Ben oui, mais pour lui. Puis il fait beaucoup de dommages, il fait 10. Yes! Bravo, Simon! 10. Bravo, Simon! Bravo, bon. Simon! Oh, c'est marrant! Alors, on continue avec. Jack Ketchup, c'est à toi. Ouais, ben je vais faire Spirit of Guardian. Spirit, il n'y a pas de off, ben c'est pas. Ah, il n'y a pas de off. Je m'allais Guardian of the Galaxy. C'est des gardiens. Et voilà, je fais ça. Des esprits gardiens. Je fais ça. Super, fait que toutes les bébites autour de toi vont se manger combien de D8, Simon? C'est 3. C'est 3 D8 à tout le monde. Oui. Ils ont-tu un jet de sauvegarde juste pour rigoler? Wisdom. Parfait. Ok. Tu dois être 14. Le T-Rex résiste, fait qu'il va juste manger à moitié de dommage. Et le Big Badass Pterodactyl résiste, mais toutes les autres Pterodactyls vont manger tout le dommage de tes Spirit Gardiens. Fait que go, roule-moi ça. 3d8, ça c'est un d10. Ça c'est 3d10, mon ami. Oh, excusez. Ouais, excusez, c'est pas d8, c'est ça. C'est, ouais, excusez. J'en ai éteint ça. J'en ai 3. Correct. Allez, avec 7-10. 10 dommages à tout le monde. Très bien. Wow. T'as utilisé un spell slot level combien pour le fun? 3. Ça, c'est 3. C'est son maximum. Ah, ok. Parce que je checkais. Oui. Mais l'affaire, c'est que ça continue à chaque tour. Ah, c'est ça. Ah, ok, c'est... Ouais, c'est boum, boum. Pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Fait
tout le combat. Fait que c'est tout le podcast, en fait. C'est ça. On arrête. Je suis surprenant aujourd'hui. Hein, je me trouve bon. Non. Je rime. Parfait. Stalking. Oh shit. King, il attaque le petit gars qui vient juste de faire mal à tout le monde. Puis, attends, est-ce qu'il attaque les esprits? Non, il attaque toi. Ah, il sait que c'est moi. Ouais. Ok, je suis prêt à recevoir des dégâts. Par exemple, il y a des avantages parce qu'il est aveugle, mais il pogne avec ses 2 dés. Fait que ça va être plate. C'est 4 des 12, hein, sa morsure. Hein. 4 ben des oui. 12. Gang. Ça fait quoi? 11 plus 18? 29. 29 plus 7. T'as combien de points de vie? 39. Il reste 3. Il reste 3. Ouch. Alors ça, c'était une attaque. Ouch. C'est ça, il faut aussi frapper quelqu'un avec sa queue. Il a quasiment pas pogné, mais il a pogné. Et sa queue, c'est beaucoup moins. C'est juste 3 des 8 plus 7. Là, il faut faire quelque chose, gang. Okay? En fait, on va tout perdre nos bonhommes. Ouais, mais il reste 3 de vie. Non, mais moi, j'ai... Les Warren se mangent 27 de dommages. C'est correct. En se faisant smacker par la queue du tyrannosaure. Oui, mais mes sangliers, ça n'a rien fait. Mais en fait, faudrait... Mais non, mais moi, c'est ce que je te pose, c'est comme, d'après moi, là, il faudrait juste aller brûler le ni des ptérodactyles si pendant qu'ils sont là, puis on décolle. Toi, tu voles, là. Oui, moi, je vais y aller. Faut. C'est ça que je m'en allais faire. Faut que tu fonces, puis tu crisses le feu. Mais j'aimerais transformer en T-Rex aussi, on s'entend que... Ouais, mais t'es plus forte en frappant T-Rex qu'avec des animaux. Et ça revient à Lily Rachel. Vraiment, mes sangliers, ça n'a rien fait. Ben, il y a plein de sangliers qui sont comme puis qui se promènent. Il essaie de fesser le T-Rex, là, mais je vais faire attaquer tous tes sangliers, ok? Il y en a un qui a pas mis, d'abord. Il y en a deux qui ont pogné. Wow! Trois qui ont pogné! Hey! Puis trois! Ça fesse de combien? Le livre derrière toi. Ça fesse de rien, là. Mais c'est pas grave! Ça va peut-être attirer son attention! Ça va le gasser, en tout cas. Et là là. Ça fait 1 des 6 plus 1. Fait qu'on a 3 des 6 plus 1 à rouler, mes amis. Bon! J'étais trop excité d'avoir un nouveau. Au revoir. Ouais. Chris 14. Quand même. 17 de dommages total, ton spell. Yeah! Sur le T-Rex. Sur le T-Rex. Okay. Ben, c'est ouais. Une claque en arrêt de la tête. Parfait, il est pas encore à la moitié de sa vie. Super, ok, mais là, je me remets en T-Rex puis je charge. Parfait, fait que tu te transformes en T-Rex, tu l'attaques. Ouais. Fait que roule ton dé. Oh là là. Pour toucher. Oh, y'a pas de plus. Tu y fais 4 des 12. 4 des 12. Yes, plus 7. Alors, 12. Quoi? 9. 2. C'est 9. 32. Chris? Yes, sir. Hey, Lily, t'as feu. 32 plus 9. Plus 7. Plus 7. Ok, excuse. J'ai dit, oui, c'est ça. 32 plus 7. Wow! Ok, ça c'est le fun. Faut qu'elle soit en tyrannosaure. Bon. Okay, nous autres, on se sauve. Je te back. Je pense qu'elle a pas fini, t'as-tu? Ben, je peux l'attaquer avec ma queue aussi. Non, tu peux pas attaquer la même personne. C'est en arrière de toi, ta queue. Ok. Ouais, t'es pas un petit gars. Y'a rien à s'apporter, mettons. Y'a rien à s'apporter. C'est bon. Non, mais j'ai fait. Je t'ai donné ça parce que tu peux littéralement attaquer les gens avec ta queue. C'est à. C'est moi. Soit Patty, soit Rex. Hey, es-tu bien loin, Uni? Ouais, mais c'est en termes de pied, il est à 100 mètres. Non, c'est pas t'as 100 ça. Mètres? C'est un bon sprint, ça. Pis c'est combien en pied? C'est 100 mètres, Chris. Ouais, c'est ça. Ça, là, vraiment, les gens rient de nous à la maison. Ouais, mais qu'est-ce que ça tu fais? 3 pieds, fais quoi? Ouais. Tu dis ça. T'es au Québec, c'est on parle en main. À peu près 500 pieds. Moi, j'avais appris les maîtres à l'école, en tout cas. Mais tout le monde parle en pied pareil. Parce que c'est les baby boomers qui gagnent sur tout, mais là, ils meurent. 100 mètres en pied, c'est moins que ça. C'est nos parents, ils ça dépend. C'est 328 comme pieds. Comme on dit, mes parents. 328. Ils sont à la fin, les baby boomers, ça compte pas, tu sais. Bon. C'est ça. OK. C'est vraiment pas long, quand même.
C'est parce que. Non, mais je veux dire, je me rends pas avec un spell. Non, mais c'est ça ma question. Mais... Patty, j'ai une question, moi. Patty Carey, tu voles à 50 pieds. Oui, c'est ça. Puis si tu prends ton action pour faire dash, donc juste pour. Tu peux faire 100, tu peux faire 100 pieds par tour. Ça te prend 3 tours de rendre. Ça sort d'où ça que je peux faire dash? Dash, c'est une action qui est disponible pour tout le monde. Ah, c'est oui? une action que tu peux faire dans ton action. C'est qu'en fait, tu peux passer ton tour au complet à te déplacer. Ok. Ben, c'est ça que j'allais faire anyway. Je m'en allais vers le lit. T'as-tu du feu avant de partir? Moi, j'ai du feu, je peux... Parfait, ça. Super. C'est stressant. Super. Ça va être à Rex. Dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire un piou-piou sur... Le gros T-Rex. Le gros T-Rex. Il y a aussi plein de tentacules qui vont autour de vous autres. Hein, aussi. Ouais. Fait que tu fais deux piou-piou sur le T-Rex. Ouais. Fait que je lance. Donne-moi ça. Puis je brasse mon D8 d'inspiration que j'ai pas brassé encore. Mais en tout cas, ça j'ai. Ça vaut pas la peine. Fais ce que tu veux, man. Ok, ben j'ai 6 en ce moment. Je le pointe-tu? Non. Ben. Puis là, j'ai 14. Non, tu peux pas. Pas même pas? Bon, j'ai scrappé mon dé d'inspiration pour le premier piou-piou. Puis en ça, j'ai 11. Fait que non, tu peux pas. Ok, parfait. Voilà. J'aimerais ça, par exemple, que si vous roulez des affaires comme ça, des attaques simples comme toi, le Warren, que tu prends tous tes dés dans ta main en même temps. Comme ça, tu roules ton D20, puis s'il pogne, tu sais déjà c'est quoi ton dommage, puis s'il pogne pas, c'est pas ça. Tu vois ce que t'as manqué, c'est comme je ferais acheter ton billet de loto, pas prendre deux l'extra, mais voir que t'as gagné. Ok, le Warren, justement, c'est à toi! Qu'est-ce qui est tout rouge pis qui suinte de l'eau bénite? Qu'est-ce qui est tout rouge et qui suinte de l'eau bénite? Le Mind Flayer. Oui, c'est ça! Nilfdaar. Non, presque. Un paladin dans le désert. Oh, hey boy. Wow. Ok, là c'est sûr que j'ai le poignet. Les inventes-tu au fur et à mesure ou genre tu t'es fait une liste? Ah, c'est ça. 6, mais t'as avantage, t'as 4 attaques, là. Mais t'as 2 attaques qui ont avantage toutes les deux, fait que lance-en les deux. Oui, alright, okay. ça pogne. Première, non. Non, j'en ai juste fait une juste pogne. Fait que 2d6. 2d6. Est-ce que tu smites? Oui, je smite. Fait que 2d6 plus. Fait que je peux rouler mon d8 en même ouais, temps. Ouais, c'est ça. 2d8, on va le rouler deux fois. Fait que c'est 5 plus 4, ça fait 9 plus... Ça fait 12. Sauf que ici, là, je vois que tu as roulé un 1 avec ton D6. Tout tes. Ah, je peux le rouler. Ah, oh, c'est qui est fin. Rappelles, tu il est ça? Fin. Ouais, ouais, je m'en rappelle. C'est pas le DM qui te donne ça, là. C'est que tu as Great Weapon Mastery. J'ai un encore. T'as un encore, bon, mais c'est ça l'affaire. C'est ça que c'est. Fait que c'était combien de dommages? Ça fait 13. 13? Non, 12. 12. 12. Hey, c'est pas fait pareil. Mm-hmm. Comment ça a été magané, le T-Rex? C'est à. C'est au ptérodactyle qui vont. Qui vont attaquer le T-Rex, ils pognent, colic. Ils font quand même plein de dommages, on verra ça après. Et l'autre, il décide d'attaquer ses propres amis. Le chef pterodactyle attaque ses propres amis. Et il leur fait. C'est pas intéressant, il est pas. Voilà. Super! Donc, les pterodactyles. Il y en a trop pour que j'y roule tout individuellement, là, pour le bien de la cinématographie de la chose. Toutes les pterodactyles picossent le T-Rex, puis il se met à genre cracher du feu noir, comme un flamethrower sur une grosse partie des pterodactyles qui tombent comme des mouches. Fait que, ouais, ils ont tout toasté. Je vais toaster toute la gang. il finit son ses grosses flammes de T-Rex en snappant dans l'air un peu à l'aveuglette, puis réussit à pogner et à arracher l'aile du pterodactyle badass qui est le pterodactyle dans un giclage de sang, tombe au sol, puis tu vois qu'il est fâché. Le pterodactyle qui est fâché? Le pterodactyle, oui, il est pas bon. Il est très contrarié de s'être fait arracher l'aile. Ok. Big Daddy, appelons-le de même. Big Daddy. Big Papa. Big Daddy. Parfait, c'était à Red. Le T-Rex, il est pas mort, mais il est ben, pas... là, je clairement, je récidive. Vas-y. 19. Et encore! Wow! Hey! Pouf, pouf, pouf! Mon Dieu, ben, énervé. Mon Dieu, pourquoi tu fais des débits? C'est des 4 ben, c'est du plus payant la queue ou le... Ça a jamais été plus payant. C'est toujours ta bouche qui va être le plus payant. Des dents acérées. J'ai jamais de queue. T'as la bouche pleine de sabres.
6, 9, 1. C'est plus. C'est 4? C'est 4. Oui. 4. Oh, 13 mother. Plus. Je vais prendre lui qui était plus. 4. 7. 17. Shit, il est pas mort, man. Il est pas mort, mais il est pas fort. Ah non! T'as-tu rajouté ton plus 7? Non. Est-ce que tu veux me dire comment tu tues le T-Rex? Wouah! Oh! Quelqu'un veut y aller? Non, c'est ta jouissance. C'est un combat T-Rex contre T-Rex, sauf que ton T-Rex est un peu plus petit que lui, genre. Mm. Il y a une boucle. Ok, il y a une boucle dans les cheveux. Une boucle. Oh! Ok, juste avec ma bouche ou mettons, décris ce que tu veux. Ok, ben là j'ai vu un gros arbre. Fait que là je suis allée l'arracher. Fait que là j'ai l'arbre dans mes mains. Puis là. T'arraches la gorge du T-Rex. Non! Je lance l'arbre au loin. Puis c'est... Là le T-Rex il a senti une motion. Fait qu'il a tourné la tête parce qu'il voit pas. Pendant qu'il a tourné la tête, moi je m'en vais pogner sa jugulaire. Hurrah! Puis là, ça pisse le sang, voilà. Je voulais que quelqu'un d'autre y aille, là. Non, c'était bon! C'est excellent, ça! Donc, tu le mot jugulaire. T'as utilisé le mot jugulaire. Donc, tu réussis à... tes puissantes mâchoires se referment sur le cou du T-Rex infusé des pouvoirs du mal. Et son sang gicle partout, pis tu baignes dans le sang, puis pris d'une espèce de rage primordiale, tu rugis comme à la fin de toutes les... Jurassic Park. Tout le monde trouve ça crissement cool. Les pterodactyles sont comme « Wow, fuck this shit, I'm out », puis ils décident de s'en aller, parce qu'ils sont comme... Ils s'en vont vers leur nid. Ils se dispersent comme des couards. Après que le trois quarts d'eux s'aient fait toaster, que leur chef s'aient fait mordre, puis que leur plus grand ennemi vienne de se faire tuer comme une petite bitch par un autre T-Rex. Yeah! Fait que, ouais, s'il y avait une queue, elle serait entre leurs jambes. T'es encore en T-Rex, tu pourrais nous faire un lift jusqu'au nid. Ouais, oui, ouais. Ouais. C'est comme ça. Fun. Ou tu peux te transformer en quelque chose d'autre. T-Rex, ça fait un job, là. Ouais, oui. Ah, ou en serpent. Non. Ah. J'ai horreur de serpent. Ah, ok. C'est tellement pas pratique non plus. Ouais, je vais rester en T-Rex, et oui, je vais plus le pouvoir me mettre en T-Rex. Les deux Magic Users, là, Arcane, fais-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Fait que... c'est toi aussi. Fait que c'est moi, puis. Oui, sans doute. Je veux dire. Patty. C'est combien? 8. 9. Attends, non, c'est pas vrai. Arcane. Fait que c'est perception. C'est arcane ou perception, tu fais comprendre? C'est perception. Perception. Fait que c'est plus où est ton. Fait que c'est 9 plus 1. 12. Ah, non. Ok. Super. Non, c'est correct. Vous rappelez, ne remarquez rien. Vous êtes des joueurs aussi, là. Vous pouvez utiliser votre propre intelligence de joueur pour faire ce que vous voulez, là. Fait que vous partez vers le nid à dos de T-Rex. Ouais. Et moi je vole. Toi t'es déjà rendu en fait. Non, je suis déjà rendu. Ouais, t'arrives. Ouais. Je peux-tu faire Divine Sense, moi, pour sentir quelque chose? Pour sentir, on dirait que. C'est un peu méta, mais ouais, vas-y donc. Divine Sense. Parce que j'ai senti quelque chose là dans la 18. Oh! ton Spider Sense tingle. Puis c'est en fait. En tant que guerrier. Toi, tu veux aller donner une mort honorable au Big Daddy, au chef des pterodactyles, parce que là, il fait juste le bacon à terre, puis il manque une aile, tu sais. Il souffre. Puis tu vois qu'il y a encore le javelot pogné dans lui, puis en t'approchant, le javelot, de loin, il avait juste l'air d'un javelot primitif, mais dans le fond, c'est comme un... Il a de l'air quasiment en or, puis en bronze, puis avec un pattern quasiment aztèque, là, tu sais. Wow! Puis il reste pogné dans lui. Puis, qu'est-ce que tu fais, en fait? Puis, il souffre. Ah, il souffre. Il me regarde comme avec des yeux tristes. Il te regarde comme un animal qui manque un membre. Fait, il a comme perdu toute trace d'humanité dans ses yeux. Contrairement à ce que vous avez vu dans les yeux des autres animaux ici. Le paladin, ça peut pas... Ouais. C'est comme un chevreuil t'a frappé sur le bord de la tête. J'ai frappé, il souffre. Sors ta Grey Sword, puis tu... J'arrache. La lance. OK. Je l'achèverai.
dans la tête. Ah, super. Mon dieu, je suis tombé violent. Ah, mais c'est une belle lance, garde là. Puis j'ai dit pour la reine. Pour la reine. Le manche est pété. Parce que, ouais. La pointe. Non, la, elle est super belle. Le javelot, il est complet là. Puis je garde le javelot aztèque. Super. Puis je dis merci mon ami. Ah, il était aztèque. Repose était en paix. Tropical. Il était tropical. Il était tropicana, parfait. Yeah! Super! Merci. Fait que on s'en reparlera de ça après. De ce javelin là. Ensuite, donc vous arrivez. Toi, Patrick Harry, t'arrives au nid en premier. Ouais. Quand tu survoles le truc, tu vois que le nid est difficilement accessible par le bas à cause des pierres. Okay. Quand, fait qu'il faut que tu te rapproches encore plus pour aller le mettre en feu. Quand tu arrives au-dessus, c'est comme une couronne de nid en bois qui entoure le top de la montagne. Et dans chacun des nids, il y a comme plein d'ossements qui sont probablement les restes de ce qui nourrisse aux jeunes, tu sais, de la dernière batch, mettons, de pterodactyles. Puis il y a plein d'œufs dans les nids. Un peu partout, des œufs gros comme un œuf d'autruche, à peu près. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu les couves? Non, c'est pas vrai. J'y ai pensé. Non, mais c'est parce que je me sens comme mal. Je me dis, je peux pas brûler plein de bébés. Je savais. C'est pour ça que j'ai dit. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Pignon 2 dans la grosse bataille comme ça, là? C'était le Triceratops. Ouais. Il a eu peur. Moi, je pense qu'il s'est fait un petit peu picossé par les ptérodactyles, mais qu'il vit. OK. OK, cool. Fait qu'on a encore un noix de pain, c'est juste qu'il est loin. Ouais. OK. OK. Votre bébé est gros comme un cheval. Noix. OK. C'est le meilleur nom. C'est gros comment, un œuf de ptérodactyle? Je viens juste de le dire. Autruche. Ah, un œuf d'autruche. OK. Là, c'est un long con, mon affaire. Là. J'ai plein de costumes parce que j'ai comme un sac avec plein de costumes. Yeah. Fait que c'est de la merde. Puis, ce que je fais, c'est que je commence à prendre les œufs. Puis, je les enrobe dans des costumes pour les garder en sécurité. Puis, je fais un tas avec parce que je veux juste enlever les œufs des nids avant de crisser le feu des nids. Ok, mais t'es mis où les œufs? Ben, j'ai mis à côté pour l'instant. Quand tu vas arriver, on va les sortir de là. À côté, genre en bas? Ouais, ben je sais pas, ouais, en bas. Non, mais je pense qu'il y a le nid, pis rien d'autre puis que le nid. Pis il y a du vide. Ouais. Ben là, je commence juste. Le nid fait le temps. En fait, je commence juste à toutes les mettre en même place. Ok. Dans un des nids, genre. Parfait. Donc, on arrive-tu bientôt que je le fasse sauter? Ouais, c'est ça. Là. Hey, il y a des omelettes ou des œufs durs, je sais pas. Parfait. Fait que, il y a un gros T-Rex plein de sang qui arrive pendant un instant, t'es comme, ah, c'est le T-Rex, finalement, dans ce cas. Fait que là, je crie au T-Rex. Oh, mais t'es un T-Rex dans tes petites papates. Tu vas pouvoir prendre les costumes que j'ai tout attachés ensemble avec les œufs, puis genre les déposer par terre, puis nous on crisse le feu dans le nid. Tu sais, l'animal qui a les pires mains. Ouais, c'est ça. Tu sais, je dis ça de même, là. Ah non, tu vas les mettre dans ma bouche. Ah oui! On les met dans ta bouche. On les met dans ma bouche. Puis après ça, tu peux les Je dis ça de même, mais d'après moi, là, la quête que genre les lémures de Madagascar nous ont donnée, là, c'était pas le concept du nid qui les donnait. On jase. Je dis ça de même. Mais non, mais on va leur donner, puis après, ça sera plus notre responsabilité. C'est vrai. Mais on les aura sauvés. Ouais. Eh, ça rime. Vous allez donner les œufs aux lémurs? C'est ça que j'ai compris? Ben, on jase. Ouais. On est en réunion. C'est parfait. Ouais. Moi, je fucking abandonne. Faites ce que vous voulez. Oh, ouais, ben, il est juste couché sur le dos du cinéma. Ah, mais donne aux lémurs. Ouais. Ok. Parfait. Fait que vous mettez feu au nid. Je peux-tu utiliser ma flamme sacrée? Ben, ouais, sans, tu crisses le feu avec une flamme. Non, mais là, juste pour être sûr, là, on a enveloppé les œufs dans mes costumes, on les a mis dans sa bouche, comme ça. Ok, parfait. On va dire que oui, Simon, mais l'affaire, c'est que la flamme sacrée, ça fait pas des dommages de feu, ça fait du dommage de bien, genre. Ok, je vais faire mais dans ma game, ça marche. Fait qu'il y a un gros feu blanc qui pomme toutes les nids en feu. Parce que les nids sont pleins de guano pterodactyles qui sont des créatures evil. Fait que ça explose. Juste comme vous marchez en revenant, ça explose au ralenti. Tout autour de la montagne. Sur de la musique de Aerosmith. Ouais. Non. Pendant que Lily allait la gueule ouverte avec le œuf dans la bouche. Quand vous revenez, vous voyez qu'il y a le cadavre de l'énorme T-Rex que vous venez. Monsieur Pignon, mais comme noix de pain.
Il y a le cadavre, puis vous voyez qu'il est en train de décomposer, genre, vraiment, vraiment plus vite, comme... Puis il devient de la poussière. Ok, mais j'ai une question, moi. Ah, vas-y. J'ai une question. Est-ce que, il y a... avant qu'il devienne de la poussière, ouais. Là, est-ce qu'il y a une griffe ou des dents qu'on pourrait c'est prendre? C'est sûr qu'un aventurier rapide pourrait ben, prendre c'est un ça trophée je fais. Ou un souvenir. Moi, je cours. Qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, j'aimerais ça avoir une griffe ou une dent. Une griffe, c'est pas mal plus dur à enlever qu'une dent. Mettons, une dent. Fait que, une ouais, canine. C'est un gros dent, c'est gros comme ça. Ouais, il peut se faire une épée courte avec une dent. Okay. Ben, ce serait le fun, ça. Fait que tu peux marquer cette affiche dent de tyrannosaure Rex. Puis, on peut-tu voir si Detect Magic, tu sais, vu que ça se transforme de même? Oui, vas-y. Fait que tu détectes la magique. Super. À chaque fois que tu lances Detect Magic, tu lances un dé, mais c'est pas... Depuis bon. La game 1. Mais oui, c'est un sais, 18 crime. C'est ça. Elle a détecté de la magie. Ah ouais, non, mais je sais, mais. J'ai-tu le temps de faire de quoi ou il est plus pas mal la fin là, de ce dinosaure-là? J'ai-tu le temps de checker quelque chose? Qu'est-ce que tu veux checker? En fait, je veux savoir parce que moi, je suis déjà allé à Chope, puis à Chope, il y a comme pas mal de dinosaures. Puis je voulais voir si. C'était quoi le procédé magique qui transformait ce dinosaure-là actuellement? J'aimerais ça pogner un œil aussi. Ok, tu peux pogner un œil comme Simon parce prend le dent, sauf que, non mais il commence non, à se désintégrer. Moi c'est juste, ça, tu deviens aveugle, mais okay, tu ne peux plus être aveugle. Ah oui, non c'est okay. Ça. Toi par exemple, en faisant Detect Magic, tu sens une forte aura de transmutation puis de force, de magie noire autour de ce T-Rex là. Il est comme infusé, c'est pas nécessairement la nécromancie, mais c'est il est infusé ce que les lémurs ont dit de forces infernales, ça ressemble pas mal à ça. Okay, tu pourrais même dire que c'est un félon. Avec le beau disque que j'ai eu, je vois-tu la source de cette magie ou de cette En fait, tout le cadavre est en train de se désagréger, là, puis là vous prenez des bouts, là, puis il y a comme une espèce de feu noir qui consume toute cette affaire-là. Et comme toi tu cherches la source de cette affaire-là, tout ce qui reste de l'énorme T-Rex, c'est un petit œuf gros comme qui rentre dans ta main, comme les petits œufs en roche là, que les gens prennent. Là. Un petit œuf, puis ça c'est peut-être la chose la plus evil que tu as vue de ta vie. Je sens que c'est Ivo, mais j'associe pas à rien là. Ben okay. C'est la même problème. On dirait que c'est ça la source du pouvoir. Okay. Puis même une affaire de plus là, t'avais un vraiment bon 18 que je vais interpréter comme étant un jet de connaissance whatever. Non seulement oui l'origine c'est l'œuf, mais c'est diamétralement opposé à l'espèce de soleil qu'il y a au top du dôme de la vallée. Est-ce que tu le prends? Ben, y'a. Ok. J'ai quand même un œuf evil. Clairement. Mais l'affaire, Alex, c'est que tu veux tout le temps les choses que les autres trouvent parce que t'es pas assez rapide pour y aller. Non, mais je sais pas, j'ai pogné un œil. Ok, mais watch out quand on va sortir de la grotte, il va se passer de quoi? Ah, mais là, pendant que vous dépecez Babou, ben là, moi, je suis allé voir Noix de Pain. Puis j'ai fait un petit lay on hands. Il est guéri, puis il est content, puis il lèche ta main. Wow. Je le ride avec mon nouveau javelot. Yeah! Wow. Ah, c'est tellement une belle image. Là, c'est comme ta monture, là, ça. Là. Peut-être. Ben, c'est un bébé triceratops. Je te dirais que ça prendrait. C'est pas d'années. Impossible, mais. Moi, je t'ai fait comme une espèce de petite corde là, avec des plantes. C'est trop cute. Tiens, un petit peu comme. Puis il y a son nom ici, Noix de Pain, là, avec un petit médaillon dans le cou. Là. C'est comme un harnais. On pourrait, quand il va être plus gros, là, tu nous gosseras un harnais pour qu'on puisse tous embarquer sur le dos du T-Rex. C'est pas un T-Rex, non. Du Donc, vous arrivez vers les lémures qui vous attendent dans le bas de la montagne. Ils sont comme, oh my god, ils l'ont fait pour vrai, oh my god! Salut gang! C'est Peplou! Regardez, c'est Peplou! Peplou fait blablabla! Parce qu'il vous parle en lémurien. Ouais, je comprends, mais à moins que tu veux que je... Mettons que tu relances ton sort, il fait blablabla! Ah, hey, salut! Hey, salut! Yeah. Ça va mon homme? Oui! Puis là, ils sortent genre un gros espèce de grosse colique de boule de cire, puis ils sont comme... Hey, on a été chercher ça pendant que vous vous battiez contre nos ennemis jurés. Merci. Yes! Puis il vous donne genre un ballon de kinball de cire. Alexandre, ton sport préféré? Amnikin, ouais!
C'est genre, faut que tu le roules à terre, c'est ben trop lourd, c'est l'enfer. Ou on peut jouer au Ken Boss. C'est comme des mineurs aussi, eux autres, ils restent dans, comme dans une grotte. Mais ils semblent pas miner, donc ils sont juste, ils habitent dans le grotte. Ok, mais ils ont sûrement des outils, parce que j'aimerais ça, la dent de T-Rex, si on a le temps avant qu'on parte, qui me gosse un casque avec. Parce un que, casque? Oui, j'ai une petite tête, fait que je pourrais avoir une dent de T-Rex sur la tête. Écoute, note ça, mais ils sont comme, mais là, ouais, ok, on peut... Une dernière faveur, là. Ouais, mais c'est long en esti faire ça, là. Mais c'est, on vous donne des œufs aussi. Non, mais c'est long, plus là. Que tu me payes, ouais, plus ça. Que ça va être c'est moins long. Là, tu travailles ça en marketing, toi? Ben, parce que... je sais pas, mais ils sont comme, ben, ça, c'est certainement possible, gars. Il te fait une coupe de marque sa dent, puis il est comme, faudrait que tu coupes, tu fasses ça là de même, là, mais... Ok, c'est bon. Ça prendrait quand même. Demande à Katy Perry, Perry Popo, qu'elle te fasse une vigne, là, que ça tienne sur ta tête. C'est une grosse dent de rhinocéros sur sa tête. Mais c'est fais juste l'attacher comme ça. Ouais. Ça va vraiment attendre le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec les œufs, là? On les donne, là? Je les ai, ils sont par terre. Ouh, merci. On commençait à avoir faim, justement. C'est ça, vous allez les manger, hein? Probablement. Non, mais c'est le... Peut-être pas. Et quand ils voient que t'es comme que t'aimes pas ça, ils sont comme ou peut-être pas, hein? Mais c'est le cercle de la vie. Ok, mais là je fais de l'intimidation, je le regarde. Puis je fais de l'intimidation. Ouais, puis, fais t'es mon traducteur là. Ouais. Ok. Fais-moi un. Oui, oui. Un jet de. Oh, 9. Ah, mais j'ai quand même oui. beaucoup de charisme. Oui, oui, puis intimidation ça va, 5. Ça va dépendre de comment tu me twists ça, Jérémy. Tu vas comme, ah, mais là, on va peut-être pas les manger. On va définitivement les manger, par exemple. Votre peuple est insignifiant. Vous vivez dans des grottes. Vous êtes vraiment primitif. Je pense que ces œufs-là sont une opportunité pour vous de faire symbiose avec votre environnement. T'es en train de dire qu'on devrait élever les ptérodactyles puis les chevaucher peut-être pour devenir si vous les en avez... rois de la caverne. Oui, absolument. Si vous en avez l'intelligence. Ils sont gentils. Tout en même temps, ils font « Wow! » Après ça, tout en même temps, ils applaudissent dans leur petite patte en cuir. C'est bon! Ça, comme, ok, on les mangera pas. On les mangera pas. Tout. C'est le meilleur deal que je peux t'appeler. Okay. Puis, il y en a d'autres qui sont comme « Shit, man, chevaucher des tirs d'acier serait quand même nice, man. » Malade! Ok, puis moi juste avant qu'on parte, parce qu'il faut sortir de la grotte puis il faut traîner la grosse boule, ouais. Je vais caster Unseen Servant, fait que lui il va pousser la boule. Comme ça, pendant que nous, fait qu'il y a comme un petit serviteur invisible qui pousse la boule. Fait que vous promenez puis il y a juste une énorme boule de ça. Ouais. Qui nous suit. Fait que pour vrai là, c'est beau. C'est très beau. Tellement beau. Oh my god. Puis en plus, Monsieur Pignon, il est pas mort. Eh là 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 là. Ok. Faut sortir d'ici. Oui, je vous dirais que le sortir de la caverne, vous repassez sur le dos de Lily, vous remontez la rivière, vous recroisez les raptors qui vous font des fingers au bord de la rive, vous les zappez un petit peu, j'imagine. Ben, tu les envoies au moins 2-3 bons lasers. Oh, ils drettent dans la face, là. vous venez de l'autre bord avec votre boule de cire. Et vous revenez, en fait, à l'espèce de village fucking weird. C'est ça bizarre. Oui, et vous retrouvez votre meilleur ami. Ah, mes amis. Vous êtes revenus avec... Oh my god. C'est beaucoup de cire. C'est tout, c'est juste de la cire. Oh mon dieu, puis il touche la cire. Dis-moi qu'il se frotte pas avec. Il se frotte la face. C'est ce qui me dégoûte là. Oh, venez avec moi, mes amis. Puis là, il amène la boule. Puis là, partout où c'est qu'il passe dans le petit village, les gnolls, puis les trolls, puis toutes les espèces de créatures bizarres. Tout d'ailleurs, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. C'est un village avec des bâtiments faits en roche, remplis de monstres qui vénèrent Tentacle Jesus. Qui est un genre d'humanine avec une façon d'attaquer. Il l'amène dans l'espèce de petite chapelle, tout le monde fait « Oh, wow, c'est vraiment... »
Puis il commence à en appliquer un peu plus sur le cadavre de Tentacle Jesus. De Nilfdaar. Il dit, ah, maintenant que nous pouvons continuer à vénérer Nilfdaar, voulez-vous vous joindre à nous pour l'éternité? Ah, c'est ça la secte. Ouais. Ouais. Non, merci. Son spécial. Non, merci. Non. Non? Non, ça va. Non, mais la sortie, mettons. Ah. Mais c'est bien gentil! Il est visiblement déçu, là, tu sais. C'est comme s'il avait préparé du punch avant le party, puis tout le monde était comme, non, on a amené de la punch. Ouais, ouais, on connaît ça, ton est punch. Puis, surprenamment, il vous amène vers un genre de crevasse dans le fond de la. Il était comme, sinon, quand il vous avait parlé au début, il était comme, on a une entrée secrète qui mène vers la surface. Il y a un gros trou à la fin du village, puis comme, ça mène à la surface. On a tout fait ça. C'est bien étonnant. Pour rien. Mais j'espère que vous avez des provisions, parce que c'est une marche de quelques jours, et j'espère que votre cerveau et votre esprit est assez fort. On a noix de pain, là. Hey. No! C'est notre des œufs. On mangera pas noix de pain. Mais pour toute la cire qu'on vous a apportée, vous pouvez pas nous donner une coupe de sanglier. Oh ouais, on a des rations. Puis j'ai create. Ouais, c'est bon. On peut faire apparaître des sangliers. Ouais, je sais. Oh. Des sangliers. On l'a mis diva, tout va. Parfait. Alors vous quittez. Au revoir. Salut. Revenez bientôt. Il y a tous les monstres, il y a tous les trolls, les espèces d'ogres weird qui vous disent bye. Puis c'est weird parce que toutes leurs mains brassent en même temps, genre. Sont, en tout cas. Il y en a-tu un qui pleure? Il y en a, ils pleurent tous un peu. Ils sont tous comme. Ils me dégoûtent. Puis quand vous partez dans le tunnel, puis là, il y a l'espèce de lumière ambiante du village. Qui vous éclaire au début, mais plus que vous avancez, plus que vous êtes comme, hey, shit, commence vraiment à faire noir. Puis juste comme vous vous dites, faudrait qu'on allume une torche. Tout le tunnel s'illumine de champignons bioluminescents. Wow! Monsieur Pignon! Vous sentez en vous la présence de Monsieur Pignon, premier du nom, qui vous dit un dernier adieu, un dernier bye, parce que pour tous les services rendus. Vous continuez, c'est plusieurs jours avant d'arriver à, on va passer ça là, c'est plusieurs jours avant d'arriver à la fin du tunnel, vous êtes sale, vous puez, à part les Warren, vous avez faim, vous avez juste mangé du cochon depuis des jours, vous arrivez, puis où est-ce que le tunnel semble finir, il y a de la terre. Là, vous êtes comme, calique, qu'est-ce qui se passe? Puis là, à l'aide de vos mains et de vos outils, vous réussissez à creuser dans la terre. Piu-piu. Puis, ou de piu-piu. Et vous enlevez de la terre. Vous enlevez finalement des roches, finalement des dalles, des briques. Puis quand vous percez, il y a de la lumière. Puis vous entendez des conversations. Puis il y a une odeur qui vient vous frapper, qui est la première odeur comme ça que vous avez sentie depuis tellement longtemps. C'est des patates frites. C'est ça, j'ai pensé que ça va être des patates. Vous sortez la tête, puis vous êtes tout comme un Doc Trio là, qui sort, vous sortez toute la gang la tête en même temps du sol, puis quand vous regardez autour, vos yeux s'acclimatent à la lumière, vous êtes en plein milieu d'une grosse taverne remplie de monde, puis à peu près un mètre à côté de vous, il y a un énorme X en rouge à terre, puis assis à une chaise devant vous, il y a Spertinax, le magicien, qui est comme... Hey. Oh! Vous êtes sorti pour au bon endroit! Re-rentrez! Ressortez là! Non. Vous avez eu toute une aventure sous terre quand même! Vous aviez prédit qu'on allait sortir par là? Oui! D'ailleurs, bienvenue à Marche-Terre! Hey, Tata! C'est seulement un peu dommage que Marche-Terre sera détruite dans 3 jours, hein? Mais c'est une belle expérience! Voyons donc! Est-ce que Thanos s'en vient? Non, c'est pas vrai. Non, le prince et ses armées, ils n'ont pas trouvé ça très... très... La cousine du prince était dans le convoi qui venait à Marche-Terre et sur qui la montagne s'est effondrée.
et le prince a donné un ultimatum à Marcheteur. Qu'ils délivrent leur chef rebelle ou qu'ils se fassent raser par l'armée. Si vous montez quelques étages, Pertinac vous emmène genre en haut, au deuxième étage, vous voyez par-dessus le... Vous voyez par-dessus les remparts, par la fenêtre de la taverne, les armées, des légions et légions et légions. La ville est assiégée. Ouais, puis il y a même des trébuchets. Oh mon dieu! Oh. Alors, c'est là qu'on va finir la saison 1 de Roche-Papier-Dragon. Tu me niaises! Donc, vous avez 3 jours. Quand on va se revoir en novembre. Fait que c'est comme un 24 la prochaine c'est fois. Comme, ben, c'est comme un épisode de 24. C'est comme un 72 dans le fond. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Okay. Vous allez avoir 3 jours pour pas être annihilé par les trébuchets. Alors, merci énormément tout le monde d'avoir écouté Roche Papier Dragon. Yes. Notre beau trip pendant une saison complète. On vous retrouve cet automne dans un tout nouveau format. N'en dis pas plus. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux. On va vous faire des affaires la même. Et merci beaucoup et au revoir à la prochaine. Merci pour la belle histoire. Ouais, ouais, bravo à notre DM, Mathieu Gassien. Mathieu Gassien, numéro de DA 150234. C'est une blague, c'est pas ça. Hey, c'était quasiment ça, Mathieu.